Merci. Merci. Un gros merci. 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 Un gros merci. Merci beaucoup. Merci à mes grands-parents de s'occuper de mon arrière-grand-mère de 90 ans pour qu'elle reste en vie et en santé. Merci. Merci pour... Super ding. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ouais, un bisou. Un gros merci aux employés du centre de tri. On veut pas que nos déchets restent ici. Alors, fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh! Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. Watch your back. Back. Métal, verre, plastique. Carton, papier, d'acide. Métal, verre, plastique. Carton, papier, d'acide. Métal, verre, plastique. Garde ton papier d'acier! Merci ma mère pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour être là pour mon frère pour l'été avec ses devoirs, pour nous faire à manger, pour aller chercher notre épicerie, pour aller chercher l'épicerie à ma grand-mère et pour continuer à travailler et rester forte et prendre soin de nous autres. Je remercie mes parents, mais aussi tous les parents, les grands-parents qui sont à distance, qui ne peuvent pas voir leur fils, leur fille, leur petite fille, leur petit-fils aussi. Merci d'être quand même là avec nous. Nous appeler, nous envoyer des courriels, de faire des vidéos à distance, de faire des jeux interactifs avec les enfants. Vous usez d'une grande ingéniosité pour nous divertir, nous faire sentir votre présence puis votre amour. Merci encore. Merci à tous les membres de notre organisation. Merci à tous les citoyens de la ville de Granby. Nous sommes votre service de police. Tous ensemble à Granby, ça va bien aller. Premièrement, la papeterie Atlas qui vient nous livrer et qui nous permet de continuer notre beau travail avec les enfants en besoin particulier. IGA Saint-Pierre qui me permet de ne pas sortir et de ne pas être en contact avec trop de vecteurs, ce qui fait que je peux continuer mon travail auprès des familles d'enfants en besoin particulier aussi. Orange Coco et l'économiste super fin chez qui j'ai fait des commandes aussi. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis un merci spécial à mes petits cocos de Nalaï Soublette qui viennent me porter des choses dans ma boîte aux lettres ou qui viennent me faire des coucous à travers la fenêtre. Merci. Tous les éducateurs, éducatrices, ceux qui travaillent dans le milieu scolaire et qui, à chaque matin, vont travailler, vont s'occuper des enfants, de ceux qui travaillent dans les milieux essentiels, donc hospitaliers et tout ça. Merci vraiment, vous faites la différence. Puis on le sait à quel point c'est important, nos enfants. Puis vous, ben, vous en prenez bien soin. Merci. Tous ces travailleurs sociaux, les éducateurs et les intervenants qui travaillent durant cette crise pour venir en aide aux familles, aux enfants dans le besoin. D'abord, je veux dire merci à nos dirigeants qui font un travail responsable durant cette crise. Moi, je veux dire merci à ma mère qui fait la meilleure des bouffes qui existent. Et je veux dire à vous, population, persévère, courage, la lumière au bout du tunnel. Puis je sais qu'on va gagner cette crise-là parce qu'on est fort, puis on travaille en équipe et puis on est ensemble. Ma mère, pour m'avoir aidé là, avec l'argent pour m'acheter de la bouffe, pour subvenir à mes besoins, ou aussi pour parler quand j'en avais besoin ou si je chantais de l'angoisse. Puis j'aimerais remercier aussi ben, mon propriétaire qui a reporté les loyers. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis je remercie chaque autre personne qui a pu m'aider là, dans cette situation-là. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié. Je remercie mon père parce que dans le fond, il est directeur du métro de Bedford. Puis on sait tous que dans les épiceries, c'est l'achalandage. Alors, il n'est pas là seulement pour faire la paperasse, gérer son épicerie, mais il est aussi là pour rassurer ses clients, il est là pour son personnel, c'est un coup à donner, faut pas lâcher. Alors, je te dis, bravo, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Les directeurs d'école qui sont là depuis le début de la crise à supporter éducatrices, concierges, tout le personnel de soutien, ainsi que les professeurs à distance, ainsi que répondre aux questions de parents, rassurer les élèves, ils en travaillent beaucoup. On remercie beaucoup les éducatrices pour les services de garde d'urgence, mais je pense qu'on les oublie un peu. Sans eux, on ne serait pas en sécurité dans nos services de garde d'urgence. Je peux vous le dire, on est en sécurité malgré tout. Donc, merci à eux! Et toutes les gens qui travaillent dans le système de la santé, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, sinon toutes les cliniques de toutes sortes,
qui nous aident à passer à travers cette crise-là, qui donnent le boucher double, toute la Lisouta aussi, mes deux sœurs qui travaillent dans des CRDI, mon père et ma mère travaillent à l'hôpital aussi à tous les jours. Donc juste un gros merci, puis c'est vraiment pas facile, mais ça va bien aller pour passer à travers.